La grande illusion, un aspect encore peu connu de la guerre, c'est, d'après des récits authentiques, la vie des prisonniers de guerre en Allemagne. Bonne nouvelle ? Au revoir de l'œuf. C'est une lettre de ma tante qui habite Bordeaux. Il paraît qu'il y a là-bas un monde fou. Strength verboten. Il est sévèrement interdit de parler avec les sentinelles. Strength stands verboten, madame. La grande illusion avec Jean Gabin. Dita Parlo. Le café est prêt. Pierre Freinet. D'un côté, des enfants qui jouent aux soldats. Et de l'autre, des soldats qui jouent comme des enfants. Et Eric von Stroheim. Garret. Et avec vous, discours à la gomme, et ben, il est foutu mon pantalon. Dasté, Itkin, Modo, Péclet et Dalio. Tiens, je vais pousser une tellement je suis content. Il a tête à petit d'allure. La grande illusion est un film sur la guerre où vous ne verrez ni bataille ni espion. Prisonniers de guerre, les officiers, autorisés à recevoir des vivres de France, sont parfois, par un curieux paradoxe, mieux nourris que leurs geôliers. Poulet froid, pâté de foie gras aux truffes du Périgord ou macro mariné du capitaine Cook. Nous allons pouvoir vous remercier pour toutes vos gentillesses. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont se taper les petits pères, là? Les distractions théâtrales qui leur sont permises laissent libre cours à leur imagination. Il n'y a pas que les robes qui sont courtes. Elles ont les cheveux coupés aussi. Les cheveux coupés? Oh, alors on doit se figurer qu'on couche avec un garçon. Moi, c'était avec une brune. À qui se fie? Une amie de ma mère. Une dame tout ce qui est respectable, qui s'occupait de bonnes œuvres. C'est pas de veine, parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt là. Connaissez-vous Marguerite? Une femme ni grande ni petite, qui a les yeux troublants, un teint rosé blanc, une petite couche d'enfant. Eh bien, cette beauté suprême. De ses rêves, de cette inaction, du désir de rejoindre les camarades du front, naît l'idée d'évasion. L'évasion devient une obsession ou un sport. Une petite troupe pour m'évader. Je me déguise en taupe. Pinambourg. Et demain, c'est à qui le tour? À vous, mon capitaine, si vous le permettez. Elle est solide au moins. Oh là là, tu peux y aller, elle en supporterait 10 comme toi et 5 comme moi. En vase clos, les individualités s'exaspèrent. En dehors de toutes les conventions admises, des affinités réunissent les hommes par-dessus les frontières. Affinités populaires. Vous parlez bien le français? Oui, j'ai travaillé chez Gnome à Lyon. Sans blague. Moi aussi. Affinités aristocratiques. J'ai connu un Boisdieu à Berlin. Un comte Boisdieu. Ah oui? C'est mon cousin. Il y a 18 mois qu'on est ensemble et on se dit encore vous. Je dis vous à ma mère et vous à ma femme. Boisdieu! You understand that if you do not obey my order now, I'll have to shoot you. Allez! Allez! Je vous demande pardon. En dépit des conventions aussi, les affinités sentimentales apportent l'espoir. Was machen Sie hier? Français. Franzose, ich verstehe. Pardon, dit nicht, bon. Ich habe keine Angst. Pendant 18 mois, je me suis fait engueuler, j'ai jamais rien compris, mais son allemand à elle, je comprends tout. Venez voir la réalité dans la grande illusion.